Charlene de Monaco et son mari Albert II sont dans la tourmente après que celle-ci lui a fait une demande pour laquelle il ne veut faire aucun compromis. Quelque chose se trame en secret à Monaco. Charlene de Monaco et le prince Albert II sont séparés pour des raisons médicales. Cependant, certains observateurs de tête couronnée tels que Stéphane Bern y voient des présages plus sombres. Qu'en est-il vraiment de cette situation trouble? Objeco vous propose de revenir sur les derniers événements concernant le couple princier de Monaco et ce qui pourrait arriver au cours prochain mois au sein de la dynastie monégasque. Charlene de Monaco et Albert II, l'amour, toujours. Quel beau couple princier. Charlene de Monaco et son mari Albert forment une union des plus glamour dans le monde des têtes couronnées. Unis par la passion du sport et par l'amour, le couple est acclamé unanimement de par le monde pour leur vie simple au service des plus défavorisés. Albert II de Monaco est, lui aussi, issu d'une union des plus glamour. Ses parents, Rainier III de Monaco et l'actrice hollywoodienne Grace Kelly, avaient célébré leur amour dans ce que l'on a appelé le mariage du siècle. Rien que ça. De son côté, Charlene de Monaco, née Charlene Whitstock, est née au Zimbabwe et a grandi en Afrique du Sud. Elle se fit connaître en tant que nageuse de niveau olympique. C'est d'ailleurs lors d'une compétition de natation à Monaco que les deux tourtereaux se sont rencontrés. Charlene et son futur mari sont apparus lors de plusieurs compétitions ensemble, avant que leur union ne soit officiellement révélée. En juin 2010, le couple annonce leur fiançailles. Leur mariage est célébré le 1er juillet 2011 pour l'union civile, et le jour suivant pour l'union religieuse catholique. En 2014, Charlene de Monaco met au monde des jumeaux, Gabriella et Jacques. Ce dernier est désigné comme le successeur héréditaire du trône de Monaco. Tout semble donc aller pour le mieux pour le couple princier et leurs deux enfants. Objeco vous a même révélé que la famille possède un petit nid douillet dans les hauteurs d'Arcachon pour se ressourcer hors de la vie publique. Cependant, cette façade positive cache quelques problèmes profonds, qui commencent à faire surface. Un éloignement dans le couple princier. Charlene de Monaco et Albert II ne sont en ce moment pas ensemble. À vrai dire, ils ne sont même pas sur le même continent. La princesse de Monaco est en effet contrainte de rester dans son pays pour le moment. Celle-ci souffre d'une grave infection ORL qui va la contraindre à subir plusieurs opérations. Cette situation très préoccupante semble cependant sous contrôle. Albert II n'a pas pu rejoindre sa tendre épouse. En effet, l'intéressé a des obligations dans sa principauté à laquelle il ne peut pas échapper. Mais n'y aurait-il pas d'autres raisons pour lesquelles le couple passe son été loin l'un de l'autre ?